On écrit le son que de canoë. Voici une liste de mots à placer dans le tableau. On se retrouve après la pause. J'entends le son que ici, à la fin du mot. Je range 5 à cet endroit. Attention, la lettre C ici ne se prononce pas que. Un crapaud. Je fabrique le son que avec la lettre C. Un crapaud à cet endroit, qui s'écrit avec un C. Un chapeau. Je n'entends pas le son que. Un kayak. Ici, le son que s'écrit avec la lettre K. Un kayak. Une cerise. Je n'entends pas le son que. La lettre C se prononce se devant le E, le I et le Y. Une courgette. J'entends le son que qui se fait avec la lettre C. Une glace. Je n'entends pas le son que. Ici, la lettre C fait le son se. Un chronomètre, j'entends le son que qui se fait avec les lettres C et H. Un signe, je vois la lettre C, mais la lettre C se prononce S devant le Y. Je n'entends pas le son que dans ce mot. Il cueille, j'entends le son que à cet endroit-là. Il cueille. Et note que pour fabriquer le son que, j'ai rajouté un U entre le C et le E. Quand, ici le son que se fait avec les lettres Q et U. Et enfin, la poche. Je n'entends pas le son que dans la poche. C et H font le son CH. La lettre C s'entend que sauf devant E, I et Y. Le son Q peut s'écrire QU, parfois Q tout seul, c'est rare et c'est en fin de mot. Il peut s'écrire K, mais c'est rare. Il peut s'écrire CH, mais c'est rare aussi. C'est quand le mot vient du grec.